I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Salut les loulous, salut les poulets, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'avais une heure et demie devant moi, on est dimanche, mais je me suis dit, tu vas t'amuser un petit peu. Alors, j'ai voulu provoquer quelques attaques en top water, je suis parti avec le Whooper Plopper de River Toussy. Pendant une heure, ça a été une galère pas possible, j'ai pas fait monter un poisson. Ben, ça arrive, hein, ce leurre est excellent, mais ça arrive. Alors, je me suis retourné, j'ai changé de leurre, je me suis retourné sur le leurre has-been, la cuillère. J'ai mis une petite Suissex argentée. Point bleu numéro 3. À un quart d'heure, ça a été complètement fou. Regardez, c'était un truc de malade. Allez, je vous laisse aller les images. On se retrouve après ça. Bon, vu mon succès en top water, j'ai pas déclenché une touche en une heure, rien du tout. Alors on va essayer, il me reste un quart d'heure, on va essayer à la cuillère. J'ai mis une petite Suissex numéro 3, argentée à point bleu. On va voir ce que ça donne. Ouf, il m'a arraché la canne des mains, ce niaï. Oh fada. Ouf. Oh malade. Wow, c'est un steak. Oh, il n'y a vraiment pas d'eau. Ouf. Ouais, c'est décroché. Wow, c'est un bœuf complet. Wow, ça c'est vraiment un bœuf. Wow, mais il est énorme les gars. Il est vraiment énorme. Oh, il m'a arraché la canne de la main. En plus, je pensais à autre chose. Ça faisait une heure que je pêchais, je faisais pas un poisson. Oh, il est magnifique. Allez, on va retourner à l'eau, pépère. Dis au revoir. On y va. Hop. Yes. Bon, on fait rarement deux chevaines sur le même spot, mais bon. Quitte à de rien à rien. Ouh, ça a failli, ça a failli, ça a failli. Ça a retapé. Ça a failli, mais ça a pas. Hop, poisson. Ouf, il s'est pris à deux fois celui-là. Ah ben voilà, un petit doublé. Ouah, mais il est énorme celui-là. Il va dans l'herbe. Ouah, puis il est plus roclote, les gars, je crois. Eh ben voilà un petit doublé. Bon, j'ai triché, hein. J'ai pêché un peu de l'autre côté. Hein. Le premier, je l'ai fait là. C'est un bœuf. C'est un bœuf encore. Hop là. Eh ben voilà, en 5 minutes. Pouf, pouf, calmos, calmos, calmos. Décroché dans l'épuisette comme d'hab. Ah, peut-être un poil plus petit. Pas dit. Ah, c'est un poil plus petit quand même. Voilà, un super poisson encore un coup. Et ben voilà, hein. Ça marche, hein. Ça marche la cuillère, même si c'est has-been, ça marche. Allez, on prend la photo, pépère. Et on repart à l'eau. Allez, mon gros. Ciao, ciao. Hop. Oh, raté. Hop, poisson. Ouf. Et deux, trois. Ils sont jobards.
Ils sont fous. Ils sont fous complets. Elle a même décroché dans l'épuisette. C'est pas magnifique ça. Voilà, il est un peu plus petit que les deux autres, mais ça reste quand même un super poisson. Vraiment, génial. Hop, 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 pépère. Voilà mes loulous, mes poulets, cette vidéo se termine. Alors c'était quand même un truc de malade. Un quart d'heure, je fais trois poissons. Trois beaux poissons. En plus, le premier était vraiment énorme. Le leurre has-been, il marchera toujours. C'est un truc de dingue. Malheureusement, j'ai pas continué. Pourquoi? Parce que là, il faut que j'aille, parce que je vais voir le Grand Prix de Formule 1. Alors peut-être que j'irai faire le coup du soir un petit peu après, on verra. Bon, ben finalement, on va faire le petit coup du soir. On va voir, parce qu'en un quart d'heure, on fait quand même trois beaux poissons. On va voir si ce soir, ils sont encore un peu gaga. Allez, c'est parti, on y va. Juste une heure. Oh putain, je me suis régalé tout à l'heure. Je regardais la déloche, ouais. Et le pêcheur qu'on voit bien foncé. C'est les choqués. Oh putain, ouais, toi tu dois connaître. Ouais, ouais. Et le type, il l'a emmené quelque part tout en haut de l'Amazon. Tu l'as vu? Tu l'as regardé? Non. Oh putain. Bon, je sais pas ce que c'est. En Amazonie? Bon, en Amazonie. Ouais, ouais, il y a des poissons exceptionnels là-bas. Oh putain, une espèce de poisson énorme avec des dents comme ça. Ouais, ouais. À bientôt. Ciao. Ciao. Ouah, raté. Ouah, d'entrée. Ah, raté. Encore raté. Tout. Oh, encore raté. Hop là, poisson. Il a pris la tombée, mais il est pas gros. Ah, il est vraiment pas gros, tu vois. Ah ben là, c'est vraiment le pins. Voilà, c'est vraiment le pins. Hein. Oh, poisson. Ah, c'est plus joli par contre. Yes, ça c'est bon ça. Ça c'est pas le même. Un gros pépère encore. Un gros pépère les gars. Un gros pépère. On a ça, il s'est fait attaquer celui-là. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé mon beau? Il y en a des marques. Voilà, une super fiche. Ouais, il est un peu abîmé là. Là. Ah ouais, là aussi. Ouais, mais tu t'es fait attaquer. Truc de ouf. Allez, va vite te remettre à l'eau, pépère. On y va? Allez, pépère. Hop là. Un gros pépère sur le coup du soir. Bon, vous commencez à en avoir un peu l'habitude des gros pépères. Je sais pas si vous commencez pas à en avoir un petit peu marre même. Oh, poisson. Ah, ils sont jobards complets. Ils sont fous complets. Ah, il est un peu plus petit. Oh, ça reste un beau poisson quand même. Hop là. Voilà, ça reste un super poisson. En pleine forme. Bon, c'est moins gros, hein, mais bon. Allez, gros. Hop. Pfiou. Pas demandé son reste, lui, pour repartir. Hein. Bon, mes loulous, mes poulets, cette vidéo se termine pour de bon ce coup-ci. Bah, voilà, le coup du soir, j'ai pas pêché longtemps. Hein. J'ai pêché quoi? J'ai pêché, allez, trois quarts d'heure. Je fais deux, trois poissons, je sais plus.
Peut-être 4, il y en a un tout petit que j'ai pas, je crois que je vais pas vous mettre sur les images. Non, ben, c'était bien sympa. C'était sympa, comme quoi ben, la cuillère, ça restera toujours la cuillère. Le niveau est très 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 bas sur la robine, mais alors vraiment très très bas, c'est assez critique là. Alors, les poissons étaient quand même localisés, vraiment sur certains spots, c'était pas très difficile de les trouver, quoi. Ben, par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a jamais un brochet ou une perche qui sortent, quoi. Ils se font de plus en plus rares, enfin, du moins sur ce secteur devant chez moi, quoi. Donc c'est bien dommage. Donc bon, je fais beaucoup de chevennes, c'est clair. Bon, je m'éclate, hein, franchement, je m'éclate. Mais la diversité, quand même, ça serait pas mal de temps en temps. Voilà, bon, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais un gros bisou. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!